palaces flottants, yachts élégants, j'adore tous les bateaux de luxe. Mais celui à bord duquel je navigue aujourd'hui m'offre bien plus qu'un décor de rêve. Il me fait voyager dans le temps. Durant une semaine, je vais être la fiancée du pirate, une star d'Hollywood, épouse d'ambassadeur ou de Maharaja. Je suis à bord du légendaire Sea Cloud. C'est en découvrant l'histoire rocambolesque et glamour de ce 4 mâts long de 110 mètres que j'ai décidé de faire ce voyage. Écoutez bien, c'est un vrai roman. En 1931, en pleine crise économique, Edward Francis Hutton et son épouse Marjorie Meriwether Post font construire cet incroyable voilier. Ce bateau, c'est un peu leur château, mais un château qui parcourt le monde. Ambassade flottante des États-Unis en Union soviétique, navire météo durant la Seconde Guerre mondiale, yacht de Trujillo, le dictateur de République dominicaine, épave dans les eaux tropicales du Panama. C'est en 1979 que le Sea Cloud retrouve sa splendeur passée et commence sa nouvelle vie de luxueux voilier de croisière. On sent très vite que ce bateau a une âme, une histoire. Je suis immédiatement tombée sous le charme du Sea Cloud et de son capitaine. L'histoire de ce bateau est tellement fascinante et tellement longue qu'elle est difficile à résumer en quelques mots. Ce qui est beau, c'est qu'il a été construit pour être offert en cadeau de mariage dans une riche famille américaine. Ensuite, il a même participé à la Seconde Guerre mondiale. Pas en tant que navire de guerre, bien sûr, mais il a servi dans la marine américaine. Il a même été stationné à l'ambassade américaine en Russie, sur la Neva, à Saint-Pétersbourg. Le capitaine Pushkarev est à la tête d'un équipage de 60 personnes. Ceux qui m'impressionnent le plus, ce sont les marins funambules qui travaillent dans la mâture. À l'origine, le Sea Cloud était un 4 mâts. Il n'y a pas de commande automatique, donc on navigue de manière traditionnelle. Les passagers apprécient non seulement notre service, mais ils ont aussi le sentiment de vraiment naviguer. Ils peuvent voir les voiles se hisser, ils peuvent sentir le vent. C'est une sacrée expérience, une expérience unique au XXIe siècle. Magnifique. Ce bateau a quelque chose de presque irréel. Lorsque le bateau fut construit, il y avait entre 10 et 12 cabines à bord pour la famille et ses invités. Mais pour qu'il soit rentable en tant que bateau de croisière, ils ont dû ajouter d'autres cabines. Ils ont fait ça très bien. Lorsque les passagers arrivent, ils sont impressionnés par l'ambiance luxueuse et familiale qui règne à bord. Je suis sûre que vous êtes comme moi. Vous mourrez d'envie de découvrir l'intérieur. Les 31 cabines sont toutes différentes, mais des plus petites, environ 10 mètres carrés, jusqu'aux grandes suites de 40 mètres carrés, elles sont toutes décorées avec soin et avec des meubles d'époque. Celle-ci, c'est la mienne, 24 mètres carrés, entièrement décorée de meubles coloniaux. Brun de l'acajou, le doré des ferrures, le bleu du tissu. Harmonie des couleurs, souci du détail, c'est l'une des plus belles cabines du bateau. Il paraît
que de nombreuses personnalités de la politique et du showbiz l'ont occupé avant moi. C'est ma cabinière qui me l'a dit. Je suis la gouvernante principale du bateau. Je suis en charge des cabines et de tout ce qui y est associé, comme la lessive ou le linge de lit et les serviettes. Je suis chargée de m'occuper de 4 suites, les cabines 1, 2, 3 et 4. Et je supervise le travail des 32 autres cabines. Katia m'a ouvert la cabine numéro 1. C'était la suite de Marjorie, la première propriétaire du Sea Cloud. Le choix du mobilier et l'esprit de la décoration sont restés fidèles à l'atmosphère luxueuse des premiers jours. Les passagers peuvent déjeuner ou dîner en cabine, principalement dans les cabines les plus luxueuses, c'est-à-dire dans les suites, car il y a un espace pour installer la table. Ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, ce sont les petites réceptions en cabine avec du champagne, lorsqu'un passager en invite d'autres. Ils font une petite fête. Pour moi, le luxe, c'est de voyager dans une suite comme celle-ci. Meublée dans le style Louis XIV, cette suite est vraiment impressionnante. Fausse cheminée, grand lit, salle de bain en marbre de Carrare. On finit par oublier que l'on est à bord d'un voilier naviguant au cœur de la Méditerranée. Le luxe et le confort des suites sont vraiment très impressionnants. Mais j'ai déjà la nostalgie des ponts en teck, des escaliers en bois verni, des cordages et des transats à l'ancienne toilés de bleu. Ils ont le charme fou des années 30. Et même s'ils ne sont pas très confortables, je me laisse aller à une petite sieste au soleil de la Méditerranée. Le Sea Cloud a jeté l'ancre pour la journée. Certains passagers sont allés se promener à terre ou faire un peu de shopping. Moi, je préfère rester à bord. Je veux profiter du bateau au maximum, à commencer par le magnifique salon bibliothèque. Une fausse cheminée trône étrangement au milieu de la pièce. Une façon d'affirmer sans doute que le confort à bord du Sea Cloud n'avait rien à envier à celui d'une belle demeure du New Jersey. Amusant, non ? Même mur recouvert de boiseries, même peinture évoquant l'exotisme des horizons lointains, voici la salle du restaurant. Oui, l'ambiance est différente ici. C'est ici que nous accueillons les passagers lors de la soirée d'accueil et la soirée d'adieu. L'atmosphère de ces soirées est très intime. La capacité d'accueil est restreinte. Donc nous pouvons vraiment nous concentrer sur le service aux passagers en proposant des plats vraiment savoureux. La qualité de la table est certainement excellente. Mais en attendant de vérifier les talents du chef, c'est en plein air, au buffet du Pont Lido, que je vais déjeuner. Je vais avoir l'occasion de rencontrer Simon, le directeur de l'hôtellerie. C'est la mémoire du Sea Cloud. Cela fait 29 ans qu'il travaille à bord du bateau et il est toujours animé de la même passion.
Je m'occupe des entrées, je prépare des salades et tout ce qui est froid. Il est important de présenter le buffet aux passagers. Ils sont contents qu'on leur donne quelques explications, c'est plus facile pour eux. Il faut les aider pour qu'ils fassent leur choix plus facilement dans le buffet. Après une courte escale italienne, le Sea Cloud reprend la mer. Même dépourvu de ses 3000 mètres carrés de voile, il a fière allure. Un voilier authentique, une cabine de rêve, le sourire du capitaine. Je ne suis là que depuis 2 jours et me voilà déjà sous le charme. Ce qui est bien sur le Sea Cloud, c'est que l'équipage est réduit. Ils forment une famille. Avec un petit bateau et un nombre de passagers restreint, il n'y en a que 64, l'équipage et les passagers se côtoient et se mélangent. Parfois, nous faisons escale pour la baignade. Les passagers se baignent et l'équipage est autorisé à se baigner également. Cette ambiance familiale entre l'équipage et les passagers est vraiment très agréable. Le commandant a jeté l'ancre au milieu de nulle part pour nous offrir une piscine de rêve, la Méditerranée. Je ne suis pas encore au point pour m'inscrire à un concours de natation synchronisée. Mais sous la surveillance de Simon, qui joue les maîtres nageurs, je veux bien m'aventurer à faire quelques brasses. Séchée, coiffée, habillée, un peu maquillée, je rejoins les ponts pour assister à l'appareillage et poser une petite question au commandant. Rien de technique, une simple histoire de chiffon. Le port de l'uniforme obéit à certaines règles. C'est l'usage à bord d'un bateau de plaisance. Ça permet à l'équipage d'être présentable. L'uniforme bleu, c'est l'uniforme de travail. L'équipage porte l'uniforme au quotidien pour travailler dans la mâture ou sur le pont. Lorsqu'ils font le guet, ils sont en blanc. Lorsqu'ils conduisent des navettes, des zodiacs ou des ferries, ils sont en blanc. Installé dans un transat, j'observe émerveillé les changements de couleur du ciel. Instant fragile, beauté insaisissable. Surtout ne le répétez pas, mais dans mon petit carnet de voyage, j'écris des poèmes sur le temps qui passe, la beauté de la nature, et puis des recettes de cuisine que je glane ici ou là au gré de mes voyages. J'irai donc voir le chef du Sea Cloud pour qu'il me donne quelques conseils. Attendant de rejoindre les autres passagers pour le dîner, je fais un petit détour par le bar. C'est un bateau familial. Nous accueillons des passagers qui sont très sophistiqués, mais qui sont très sympas en même temps. Je dirais qu'ils ont un certain statut, mais comme vous le constatez, ils sont très souriants parce qu'ils aiment ce bateau, et sûrement parce qu'ils nous aiment bien aussi.
que le Sea Cloud traverse la nuit, un petit air de jazz accompagne le dîner. Ce n'est pas encore de la haute gastronomie, simplement un petit moment de bonheur entre ciel et mer. Levé tôt, je suis allée prendre mon petit déjeuner sur le pont. Il faisait encore un peu frais, et puis, le soleil est apparu à l'horizon. J'adore sentir les premiers rayons du soleil sur ma peau. La veille, au cours du dîner, j'ai fait la connaissance du chef mécanicien. On a bu, un peu, et beaucoup parlé. Gastronomie, piston, vodka, kilowatt et grand cru bordelais. Pour remettre de l'ordre dans cet échange un peu confus, il a proposé ce matin de me faire visiter, en toute discrétion, la salle des machines. Je m'attendais à pénétrer dans l'obscurité d'un monde sale et bruyant, et je découvre une sorte de musée, une exposition de cadrans en tout genre. Le Sea Cloud est bien plus qu'un bateau. C'est une œuvre d'art. De la salle des machines à la passerelle, les instruments de navigation d'aujourd'hui côtoient ceux d'hier et même d'avant-hier. Ici, personne ne roule des mécaniques. Lorsqu'on navigue à la voile, on navigue vraiment à la voile. Il faut quand même qu'on ait des moteurs, au moins juste pour être à l'heure. Les plannings, ça existe toujours. Il faut arriver dans les ports à l'heure et accoster en toute sécurité. Avec les voiles, ce serait vraiment un défi. Depuis le pont supérieur, j'admire la lente manœuvre d'entrée dans le port. C'est ma dernière journée à bord du Sea Cloud. Alors que d'ordinaire, j'adore me promener durant l'escale, cette fois, j'ai décidé de rester à bord pour déguster jusqu'à la dernière seconde le plaisir de ce voyage et pour noter quelques pensées dans mon petit carnet de Moleskine rouge concernant le luxe. Moi, j'ai ma petite idée, mais qu'en pensent le capitaine et son équipage ? Les passagers qui y séjournent veulent naviguer et naviguer le plus possible. La voile, c'est ce qu'ils aiment le plus. Et pour eux, c'est ça le luxe. Pour moi, le luxe à bord du bateau, c'est d'abord le fait qu'il ait une histoire incroyable. Et puis qu'il soit toujours en service. Nous proposons un service 5 étoiles dans une ambiance très familiale. C'est plus que du luxe, le restaurant et tout le reste. On sent qu'on est sur un yacht, on est dans une Rolls-Royce des mers. Ce bateau est luxueux pour toutes ses raisons, bien sûr. Mais par-dessus tout, parce qu'il réveille en moi des émotions d'enfance. Des récits d'aventure où Jack Sparrow et les pirates des Caraïbes croisent Fletcher Christian et les révoltés du Bounty, Peter Pan et le capitaine Crochet. Pour la dernière fois, le soleil se couche sur le Sea Cloud. L'instant du dîner de gala est arrivé.
L'instant est sacré. Installé à ma table, je consulte le programme. Parfait. Le spectacle peut commencer. Le chef est un artiste, je suis en admiration, j'applaudis. Et je note au passage de lui demander sa recette de fondant au chocolat, à pleurer de plaisir. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Sortie pour prendre un peu l'air sur le pont promenade, j'aperçois un couple en train de dîner aux chandelles. Une petite table a été dressée à leur attention. Simon et un accordéoniste les rejoignent pour leur souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Cette fois, c'est trop. Je verse une petite larme et je vais aussitôt boire un verre d'eau. Le fondant au chocolat était peut-être en trop. Dernière nuit sous les voiles. Dernière promenade sur les ponts en teck. Je pensais aller me coucher, mais c'était sans compter avec l'équipage du Sea Cloud, réuni au grand complet pour dire au revoir à tous les passagers, avec des chansons de marins, comme il se doit.